Bonjour à toutes et à tous, amis Cigales de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme. Pour moi ça va super les copains. On se retrouve, je vous l'avais promis les gars, je vous avais dit que sur le compte gratuit on n'avait pas tout à fait fini. On a fini le rush, certes, encore que j'ai rush 14 grosses boîtes pour cette vidéo, mais je vous avais dit que on changerait un petit peu le thème qui était d'évoluer gratuitement en achetant le Brawl Pass à la fin, car on a farmé les 70 paliers. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va tout simplement acheter le Brawl Pass. Et là, vous vous dites, mais c'est totalement débile de l'avoir acheté alors que tu arrêtes de jouer. Certes, mais c'est le concept de la vidéo, les gars. On achète le Brawl Pass et on ouvre absolument toutes les récompenses que vous voyez en haut en espérant faire un record de brawlers sur ce compte. Franchement, il y a de quoi faire. On a quasiment... On a quoi? On a quasiment 30 brawlers, 29 brawlers si je sais compter à débloquer. Dites-moi, mais là, il est interdit de tricher les gars. En plus, on a une méga boîte gratos. Dites-moi combien de brawlers on va débloquer dans cette vidéo. Non mais sincèrement les gars, là vous prenez 10 secondes, on se fait une pause. Vous mettez en commentaire combien de brawlers. Moi j'annonce les gars, on débloque 5 nouveaux brawlers. Je vous le dis. Déjà, je triche un peu parce que il y a le brawler, il y a Janet, un palier 30. Donc déjà, sachez qu'il y en a déjà un de garantie. Mais Janet y compris, on en débloque 4 autres. Donc au total, 5 brawlers. Prenez les paris en commentaire. Ceux qui vont me mettre le commentaire une fois qu'ils ont vu la vidéo, vous êtes les pires escrocs, les gars. C'est interdit. Participez au jeu de tonton. En tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à me rentrer le code GAL dans la boutique parce qu'on va dépenser des sous sur un compte sur lequel on ne joue pas. C'est quand même pas le truc le plus intelligent que j'ai fait sur la chaîne, hein, on est d'accord. Mais c'est histoire, je vous l'avais promis, vous avez été nombreux à me dire à chaque fois, sous chacune de mes vidéos, ah tonton, bonne idée d'acheter le Brawl Pass une fois que tu auras fini le défi, comme ça au moins, tu trahis pas le concept. Donc les copains, est-ce que vous êtes bien installés? On va se commencer Quoique non, on va acheter le Brawl Pass direct, et on va partir en pack opening, donc faut que je mette un petit peu des gemmes. C'est combien de gemmes déjà? C'est 169 gemmes, on va se mettre 10 balles, on va pas tergiverser 150 ans. Nous, on est parti sur le gemme, et les gars, j'espère que vous les avez mis ces pouces bleus, je compte vraiment sur votre soutien, et vous avez fait le pari des brawlers. Nous on est parti pour acheter les gemmes. Alors les copains, les gemmes sont là, ça fait plaisir, on va pouvoir commencer le pack opening, on va directement acheter le Brawl Pass, du coup, voilà, on l'a bien acheté avec le code Gaël, les gars, le code Gaël était bien activé, c'est bon, on va aller checker ça rapido. Voilà, le code Gaël est activé, hein, les gars, forcément, à la rentrée, il ne pouvait être qu'activé. Du coup, voilà, on va s'ouvrir un petit peu tout ce que vous voyez là. Alors, moi, je vous annonce quand même pas mal de trucs sympas. Je pense que ça va envoyer du lourd. Donc, les copains, on commence par cette méga boîte. Est-ce que vous pensez... 5 brawlers, je me suis peut-être un peu enflammé, non? Oh non, mais pour de vrai, les gars, pour de vrai, ils vont commencer à mettre des 5, là. File-moi du Kinoching, frérot, arrête un peu, fais-moi rêver, là. Par contre, t'en veux des offres sur ce compte, il y en a un paquet. Hein. Ils veulent me pousser. Ils savent que je suis un bon client. Ils savent très bien qu'il faut pas beaucoup insister pour que j'achète ces petits malins. Alors, on va débloquer le Karl. Du coup, le skin de Karl, car le brawler, on l'avait déjà. Les points de pouvoir, on s'en fout un petit peu. On va les mettre sur Léon, vas-y. On va les mettre sur mon petit Léon. Allez, deuxième méga boîte de la vidéo, les copains. J'espère que vous croisez les doigts, qu'on ait de la chance. Pour l'instant, c'est un 6. Donc, on est au moins assuré d'avoir soit un gadget, soit un brawler. Ce serait dingue. Ce serait dingue de débloquer, sachant que sur le dernier pack opening sur ce compte-là, on a débloqué Léon, les gars. Donc, on est plutôt bien parti. Aïe. Dommage. Un petit gadget, c'est pas grave. Pour l'instant, il n'y a rien de gravissime, les copains. On est plutôt... On est présent. On va lui mettre les points de pouvoir. Et si jamais on débloque plein de brawlers, on s'en testera en fin de vidéo. Brock, Shelly... Aïe, est-ce qu'il m'avait proposé dans le shop le gadget que j'ai débloqué? Même pas, parce que j'en ai quand même beaucoup à débloquer sur ce compte-là. Les points de pouvoir, du coup, on va continuer à les mettre sur Léon, au moins on va le gonfler aux hormones, le frérot. Le pack d'émoticônes, il est là. Du gold, ok. Les points de pouvoir, on les met encore une fois sur Léon. Attends, on va le monter un peu en niveau, le Léon, il est où? Il est où ce petit jeune? Il est là, tac, tac. Pour l'instant, ça commence pas dingue, hein. Ça commence clairement pas dingue, les gars. On commence timidement. On est déjà à 2 mégaboîtes pour l'instant et quelques grosses boîtes. Et on a eu qu'un seul Keynoting. Toujours pas de deuxième Keynoting sur cette grosse boîte-là. Qu'est-ce qu'il y a comme point de pouvoir, les gars? Là, je vous avoue que dans cette vidéo, je m'en fous des points de pouvoir. Habituellement, je vous aurais dit stylé. Là... Alors, il aurait peut-être fallu faire un top 1 porte-bonheur en game, mais j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Oh non, ils me font le coup des points de pouvoir. Mais non, c'est vrai que j'avais oublié ça. J'avais oublié ce délire-là. Tac, on va se récupérer les points de pouvoir du coup sur le Léon. Tac, le tag, il est là. On récupère un maximum de gold également. Allez, mon petit. Oh non, mais non.
Mais non, mais fais-moi kiffer, j'ai pas payé 10 € pour avoir juste des points de pouvoir sur Léon, les gars, là, c'est pas possible. Moi, je croyais qu'il y avait plus de boîtes que ça, sur la version payante du Brawl Pass. Là, j'ai l'impression de m'être fait un petit peu avoir, là, les gars. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Jackie, Penny, Bull. Oh, il passe quoi? Pouvoir 6, pouvoir 7, on va le mettre P11, le truc. Oula, j'ai mis un coup de poing dans le micro. On va continuer comme ça, les copains, on est quasiment au brawler, là. On est... Attends, mais je peux débloquer Janet direct, voilà. Là, on débloque Janet. Déjà, on aura un brawler, les gars. On n'est pas bredouille. On va se mettre les points de pouvoir sur Janet. Déjà, en vrai, est-ce que pour vous, c'est intéressant, dans mon cas à moi, là, où en mettre 10 balles pour débloquer Janet? Est-ce que c'est nul ou est-ce que ça peut... Parce que déjà, rien que ça, en vrai, en soi, c'est un brawler chromatique. Le dernier en date, rien que ça, c'est pas mal, quoi. Je trouve que c'est déjà honnête. Est-ce que ça valait le coup de payer ou pas? Pour moi, non, parce que je joue plus sur ce compte, mais pour un mec qui joue... À mon avis, c'est pas fait escroquer quoi. C'est plutôt correct. Donc les points de pouvoir, on les met à la Janet. Pour l'instant, je rappelle que nous sommes à un seul brawler. Allez, une nouvelle grosse boîte. De la Elisa, tout simplement. Un nouvel émote. Les émotes, on s'en fout. Allez, c'est la quatrième méga boîte, je crois. Oh, mais non. Mais non, mais on va débloquer que Janet. Pour de vrai. C'est quoi ce karma du futur, les gars? Allez, allez. Rico. Costaud. Penny. Non mais moi je voulais faire un record de brawler, là je vais rien faire du tout les gars. C'est un record de malchance là. Vas-y, on file sur Léon. Léon, moi c'est kiffant à jouer. On met du gold, les émotes, ok. Allez mon petit, allez mon petit, allez mon petit. Non, mais non les gars, mais non, mais non, mais non. Le tag, on s'en fout. File-moi du lourd. File-moi du lourd frérot, Tara. Du Griffounet et du Edgar, nouvelle émote, on est déjà au palier 46, hein, les copains. Je pense qu'on va se faire une game, hein, tant pis, on va se faire une game porte-bonheur avec Léon. Allez, les gars, c'est le moment, on peut pas se quitter comme ça. Franchement, je veux au moins 5, c'est mort. Hein. En vrai, 5 brawlers, mais c'est impossible. On va jamais en débloquer 4, là. Si j'en débloque 1, je suis déjà content. Ok. Allez, faut qu'on en débloque au moins 2, allez, au moins 2. Là, on va en faire. Là, je vous dis, ils peuvent pas me mettre de gadgets d'affilée. Ils peuvent pas me faire ça. Ils savent très bien que ça me ferait trop plaisir. Que ça ferait plaisir à la communauté également, les gars. S'il te plaît, pas de gadgets. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, les gars! En plus, c'est mon brawler. En plus, c'est mon brawler, les gars. On est dans les chromatiques. Chromatique 2 sur 12. Ça régale. Voilà. Je m'appelle Gaël. Je débloque Gaël. Jusque-là, les gars, c'est absolument archi-logique. C'est la logique. On est bien. Voilà. Deux brawlers chromatiques. On pourra même marquer Festival de chromatique. Alors, il y a certains mecs qui vont me dire, ouais, mais il est plus en rareté chromatique parce qu'il est sorti à tant de temps. On s'est compris, les gars. Commencez pas à jouer sur les mots. Pas de ça entre nous. En tout cas, mon petit Gaël, il va me porter chance. Lui, je sais pas pourquoi. Par contre, son skin de base, il est moche. Hein. Franchement, les gars, le skin de base de Gaël. Ah, c'est pas terrible, hein. C'est pas foufou. Attends, ils me mettent pas un skin dans le shop là. On a quoi avec 27 gemmes là? On a rien. Hein. Oh, on peut acheter ça? On paye? On paye? Non, c'est nul. Hein. J'ai pas de skin. Non, non, j'allais payer, mais vas-y, on les garde. On sait jamais. On sait jamais, les gars. C'est les gemmes qui vont porter chance. Vas-y, le Léon, on lui met des points de pouvoir. On est à deux brawlers, les gars. Ne vous moquez pas. Je sais que vous êtes certains. Vous vous moquez. Je vous vois. Vous devriez pas, les gars. Vous devriez pas. Je sens qu'il y a des dingueries qui vont arriver dans cette vidéo. Rappelez-vous, les gars. Le dernier pack opening. Le Léon. En dernière boîte, quand tout le monde avait quitté la vidéo, les gars. L'épique réaction. Parce que Léon, ça, c'est épique réaction, Léon. Clairement, c'est probablement. D'ailleurs, tu sais quoi, les gars? On va se faire une petite entracte. Une petite entracte, et vous avez l'interdiction de la passer vite, parce que je vous dois, je suis obligé de faire la game avec Léon, je suis obligé de le faire. Allez, allez, top 1 ou rien, je m'en fous, top 1 ou rien, les gars, c'est ce top 1 qui va définir, voilà, la suite de la vidéo, moi je vous le dis, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe, les copains. Attends, on va lui piquer la peau, alors on se fait, attends, les peaux, c'est pour moi, cousine, là, cherche pas. Voilà, Poli, tu dégages. Alors attends, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que le mid a été pris? Les amis, le mid n'a pas été pris. On va tenter. Attends, il y a un truc qui veut farm en bas, mes frères, c'est mes pots là. C'est mes pots, touche pas mes caisses. Touche pas mes caisses, voilà frérot. Commence pas. Hein. On est déjà pas super content du pack opening, frérot. C'est pas le moment. C'est pas le moment de me faire des dingueries là. Attends, il y a un Grom qui va venir. Alors, je voulais pas du tout focus le Grom, mais vu qu'il a décidé de me gêner, on va en faire une priorité. On va quand même régénérer un petit peu, sinon on va se faire soulever. Ouais, t'entends l'auto-aim, c'est ça qu'on veut. 300 PV, ok, on est capable de perdre. Attends, lui, faut que je soulève. Attends, il m'a rendu fou, lui, oh.
Ok, lui il est mort, on a 10 caisses, on régène et on va les éclater. Il y a Bonnie Skin à gauche là, Bonnie Impératrice. Ok, Bonnie morte. Dommage que j'ai pas un petit ulti. On va essayer de régène pour le fight final parce que là je fais le malin à prendre les kills avec. Attends, pour de vrai, il a 4000 PV le mec là? Ah non, mais c'est Lola, ok. C'est l'ombre de Lola, mais elle est Lula. Ok, oh, 7 caisses, respect. Respect, respect, respect. Ça va porter chance, les gars. Je vous le dis. Ça va porter chance. Ou pas. Attends, faut qu'on aille là. On a eu un petit peu chaud, mais on a le top 1, les gars. Le top 1 qui a intérêt à porter chance. Je vous le dis, les gars. Il a intérêt, celui-là. J'ai tout misé dessus. En tout cas, on récupère du gold. On récupère des émotes. Moi, je veux que des boîtes, les gars. Stu, Edgar, on est à deux brawlers, on a deux brawlers pour l'instant les gars. Je suis pas gaga, on a deux brawlers, on a débloqué deux brawlers de qualité certes, mais il y en avait un qui était prévu qu'on débloque, donc c'est pas foufou. Et un autre par contre qui est stylé, c'est le Gaël. Allez, allez mon petit, on en veut un troisième, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, on en veut un troisième, me fais pas de faux suspense là. Les gars, on va le faire, on va le faire. En vrai, on peut le faire. Alors, on a plein de gadgets à débloquer, les gars. Donc, vous enflammez pas. Il y a les gadgets de Léon, il y a un gadget de Squeak, il y a plein de monde. Donc, allez, 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 allez. Oh. Ah, purée, les gars. Les gars, c'est pas encore la boîte de la dernière chance. Alors, je rappelle qu'il reste 14 grosses boîtes à la fin. On a quand même optimisé le truc. J'ai rushé pas mal de fois dessus. Pour essayer de mettre le plus de boîtes possible de notre côté, pour essayer de faire une vidéo de qualité. Mais j'ai l'impression que ce sera plus compliqué que prévu. Alors attends, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Là, on les met à Gaël, les points de pouvoir, on équilibre un petit peu tout ça. Alors du coup, on a la Janet Valkyrie qui est là. Alors ça fait plein d'animations, on a eu le Karl au début. La Janet Valkyrie, le Gaël, on a l'impression d'avoir débloqué plein de trucs, mais au final, c'est quand même pas. Au final, si on reste là, les gars. On est à 2 brawlers sur 10 balles. Ça fait 5 balles le brawler, quoi. Est-ce que c'est vraiment rentable? Ça fait un peu cher quand même, non? Allez mon petit. File-moi au moins 2 clignotings encore. 2 clignotings et on sera content. Pour l'instant, ils veulent même pas m'en mettre un. 80 gold, Karl, Brock. Oh, j'ai les yeux rivés sur le clignoting, frérot. Oh, ils abusent, mais attends, mais je suis. Il me reste tellement de brawlers à débloquer encore. Il me reste 27 brawlers. On n'est pas en train de. Je suis pas sur un compte où il me reste 3 brawlers à débloquer, les gars. Il m'en reste 27, quoi. C'est un truc. Abusé. Abusé, quand même, non? Oh. Alors, on va même pas en avoir un clignoting, là, pour de vrai. J'ai fait des games tous les jours dessus. Pour ça? Ah, ça fait un peu mal au cœur. Hein. Allez, allez, mon petit. 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 Non? Il en reste 4. Ah, vas-y. Vas-y, me fais pas ça. Me fais pas ça, frérot. Non. Il en reste 2. Oh, pour de vrai? La der, des der, des der, des der, des der, des der, des der. Oh, l'humiliation! Oh, je me suis pris l'humiliation suprême. Ils m'ont mis des points stars à la fin. Mais non, mais les gars, respectez-moi quand même. Je suis quelqu'un, je suis un client fidèle, je suis là depuis longtemps. Oh, c'est pas fou, hein. Franchement, les gars, qu'en pensez-vous, chers amis? Alors, on est loin du record, là. Objectif record de brawler. Ouais, bah, c'est pas validé. Clairement, l'objectif, il est pas du tout validé, les gars. Le seul truc qui est validé, c'est le top 1 qu'on a fait. Bon, après, je suis quand même content de débloquer Gaël, en vrai. Hein. Je fais le mec qui râle, mais non, c'est quand même cool. Ça, c'est quand même stylé. La Janet, on va lui mettre son skin aussi, comme ça, elle est contente. Je suis quand même content, voilà, la Janet elle est là, ça fait plaisir, voilà, bon, c'est pas dingue non plus, je suis à 30 brawlers, ouais, bon, c'est cool, c'est pas dingue, mais c'est cool, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à m'exploser le code GAL dans la boutique, les copains, vous êtes la famille, n'hésitez pas à aller checker mes vidéos, j'ai fait du lourd, pack opening de Bonnie qui a plus de 22 000 vues, on a fait du Bonnie en 35, en 2 épisodes avec Varlambeau, enfin voilà, énormément de contenu de qualité, je vous fais des gros gros bisous à tous, à très bientôt, ciao ciao.